Salut à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo. Je vais faire des effets spéciaux en direct, tac, ça sera mieux. Une vidéo, alors de présentation. Alors c'est, des fois c'est intéressant d'être à notre place, hein, parce que bah, du coup on a des petits contacts. Et là aujourd'hui, dernièrement, j'ai eu un contact de la marque Nexigo. Nexigo qui est sur Amazon, donc je mettrai le lien de la boutique, plus le lien des produits. Donc ils font de la webcam, ils font des accessoires Play 5. Voilà, accessoires Play 5, des façades. Donc les façades elles sont où? Bon, de toute façon on va directement aller. Alors hop, tu vas là. Donc j'ai reçu ça, j'ai choisi ça. J'ai reçu une façade ou une template, comme vous voulez l'appeler, pour ma Play, pour la Play 5, parce que j'ai la Play 5 depuis le début. Donc en version noire. Donc là elle est plus, elle est hors stock, elle est à 39,99€. Il y a un modèle aussi qui existe sans CD. Je vous mettrai une d'achat après, vous choisissez. Il y a une version or à 50€ et une version noire. Donc j'ai reçu ce produit là que je vais changer du coup, parce que mes façades blanches, ben elles sont plus blanches du tout du coup. Donc et j'ai reçu ça. J'ai choisi ça aussi, regardez. Tac. Qui permettra de tenir la console debout, mettre les manettes en charge, un système de ventilation, la télécommande, les jeux, un truc super complet. Et ben du coup après je le mettrai à côté de ma télé. Alors ce qui est pratique, c'est que c'est des produits qu'en fait que j'aurais besoin et que j'ai pas besoin d'acheter, puisque on les a envoyés gratuitement. Du coup ben voilà, je vous mettrai les liens d'achat si ça vous intéresse. Là ce que je vais faire, bon ça va être très simple, je vais déballer mais en accéléré, en vitesse rapide, histoire que vous voyez un peu le démontage de la console et ainsi que les accessoires qui sont fournis avec. Donc voilà, c'est terminé. Donc vous avez vu, j'ai eu un petit souci au démontage de la façade, la première. Ah, c'est plus simple dans les vidéos YouTube qu'en vrai. Bon, même si après, finalement, j'aurais dû le faire avec plutôt être patience. Hein. Là, bon, je l'ai un peu rayé, mais c'est que le plastique, maintenant, elle est noire. Donc je me retrouve avec une console noire, le support complet avec les indicateurs de charge là, le petit bouton sur le côté avec trois vitesses de ventilation. Derrière, vous avez pu voir l'emplacement télécommande et l'emplacement pour mettre des jeux. Et il suffit juste de mettre cette petite vis dans le support pour que la console tienne droite. Et c'est le petit support casque aussi qui donnait avec. Du coup, un support plutôt complet et qui permettra de recharger, de jouer, de refroidir la console, tout ça pour un prix qui, ma foi, n'est pas trop cher. Là, elle est full black, elle est magnifique, elle va aller dans mon salon. Et voilà, j'espère que la vidéo bah, vous a plu, hein. C'était assez simple, mais
Plutôt sympa comme produit.